François Gela de George et Nicolas Hollande, l'office cadet de George et Gustave Hollande, docteur spécialiste des maladies nasales et oculaires, et Nicole Frédérique et Marguerite Trubel, assistante sociale, est né le 12 août 1954 à Rouen, Haute-Normandie, dans une famille modeste. Il a commencé ses études à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, où il a passé ses 6 ans d'école primaire. Il a fait ses études secondaires au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. François Hollande a poursuivi ses études dans une université de Paris, l'Institut d'études politiques de Paris, où il y obtient une licence en droit. En 1974, lors de ses études à Paris, il s'est engagé comme un bénévolat dans la campagne du candidat socialiste François Mitterrand au poste présidentiel. Après ses études, il est devenu auditeur à la Cour des comptes. Il a adhéré au Parti socialiste en 1979. De 1988 au 1997, François Hollande était le député de la première circonscription de la Corrèze. Il est devenu le premier secrétaire du Parti socialiste depuis 1997 à 2008, responsabilité qu'il a combinée avec les autres postes. En avril 2002, François Hollande est devenu le maire de Toulé. En 2007, son épouse Ségolène Royal a été sélectionnée par son Parti socialiste pour la représenter à l'élection présidentielle, mais battue par la conservatrice Nicolas Sarkozy. François Hollande, qui était le secrétaire de la Parti socialiste, a été sévèrement critiqué de sa faiblesse dans la campagne présidentielle de son épouse Ségolène Royal, avec qui ils ont divorcé après un mois. Il avait 4 enfants. Après, François Hollande s'est marié avec une journaliste Valérie Trévela. Après avoir refusé un autre mandat au secrétariat du parti en 2008, François Hollande est élu président du conseil général de la Corrèze. En mars 2011, il a annoncé qu'il se présentait comme un candidat aux élections présidentielles. François Hollande s'est distingué au sein de son parti suite à son rôle important joué pour réconcilier son parti socialiste qui semblait se diviser vers la fin du pouvoir de François Mitterrand. Au cours de la campagne présidentielle, il était prévu que François Hollande devait faire face au candidat ex-président Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn qui après retirer son candidature suite aux accusations d'agression sexuelle. François Hollande est le 7e président de la 5e République française. Joachim Mulikimukiza pour la Radio Salouse.